Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel aujourd'hui consacré à l'importation de votre fichier sitemap sur le Google Webmaster Tools grâce au logiciel Xenu. Donc je vais vous montrer ce logiciel là qui est vraiment très très bon. Vous allez cliquer sur Xenu, donc au préalable vous l'aurez téléchargé, je vous mettrai le lien justement en dessous dans la description de ma vidéo. Vous ouvrez Xenu, vous cliquez sur File, Check URL. Ici, vous allez mettre l'URL de votre site internet, donc en l'occurrence, agence AdWords Paris, pour l'exemple. Je renseigne mon URL et je clique sur OK. Xenu, dans un premier temps, va analyser tout votre site internet, essayer de voir s'il y a des erreurs. Donc s'il y a des erreurs 404, des pages introuvables, il va vous les marquer en rouge. L'objectif pour vous, c'est de faire en sorte de n'avoir aucune page 404 ou page introuvable dans votre site internet. Lorsque ceci sera fait, vous irez sur File, Create Google Sitemap File et vous enregistrez votre sitemap sur le bureau. Voilà, et vous cliquez sur Enregistrer. Voilà, ensuite vous irez vous connecter sur votre FTP, sur votre serveur grâce au logiciel FileZilla, établir la connexion. Donc moi il s'agit d'un site WordPress, donc ce que vous allez faire en fait c'est de mettre directement le fichier sitemap à la racine de votre site. Et pour checker ça, nous allons sur l'adresse donc de notre site web suivi de sitemap.xml. Donc voilà, le fichier est bien présent. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est aller sur l'outil des Webmaster Tools, cliquer sur notre site, cliquer ici sur Exploration, Sitemap, et ajouter et tester un sitemap. Ici, vous mettez sitemap.xml, envoyer un sitemap, sitemap, envoyer, fermer. Je réactualise. Et voilà, le sitemap a bien été envoyé. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à liker mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Merci.